Bon, on était en train de parler de la plateforme où vous vous retrouvez entre auteurs francophones pour vos activités, Monsieur Gérard. Oui. Donc, je voudrais que vous continuiez le développement. OK. Donc, c'est un site qui est créé pour mouvoir en quelque sorte, pour faire la publicité de ces œuvres-là qui sont sélectionnées pour participer à cette rencontre-là des auteurs francophones de New York. En fait, c'est surtout c'est dans tous les pays des États-Unis que c'est organisé. Donc, C'est ça. tous ces auteurs-là sont invités en ligne hein, pour participer Des à cette visioconférences. rencontre-là. Voilà. Donc, le 2 septembre, bientôt le 2 septembre, on va encore reprendre donc, le prochain auteur sera en ligne ce 22 septembre. C'est Voilà. ça. Donc, je suis friend du Wink. Donc, OK. c'est ça. Donc, en attendant qu'on se retrouve de façon concrète, parce que c'est normalement, on Oui, devait se à retrouver. cause de En fait, COVID-19, vous faites voilà. ça en ligne. C'est à cause de cette pandémie qu'on fait cette rencontre-là en ligne. Donc, OK. c'est ça. Là, je vois. Bon, Monsieur Gérard, avez-vous d'autres passions que l'écriture? Oui, j'aime la musique quand même. Et j'aime jouer quand Ça même. marche de pair avec l'écriture. Oui, c'est la même chose. J'aime jouer, j'aime pianoter, C'est ça. j'aime ça. J'aime également le cinéma. Hein. Bon, quand j'étais à Lomé, j'étais membre d'un club de cinéma et tout. Et j'essayais même d'écrire des scénarios pour certains clubs de cinéma avant d'arriver. Voilà, donc, En quelque sorte, j'aime. vous aimez la culture, quoi. Vous êtes un peu partout, l'art, l'écriture et puis la musique. Voilà, c'est Voilà, ça. là c'est bien. Ok, dans votre recueil de nouvelles, vous avez évoqué le problème du racisme. J'ai vu qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé du racisme. Bon, aujourd'hui, vous vivez aux USA, vous venez de le dire même précédemment, et vous avez vécu, comme tout le monde, le meurtre de George Floyd par un policier blanc. Bon, que pensez-vous du mouvement Black Lives Matter? En fait, je pense que c'est légitime. Hein. Le soulèvement, c'est légitime parce que dans un pays où on constate que la plupart aiment les animaux domestiques, vous voyez des gens qui se promènent avec les chiens et tout, et au même moment, on crucifie, on maltraite un noir comme ça, moi, ça me surprend. C'est Donc, vrai. c'est légitime, en fait, je crois, surtout dans un pays aussi démocratique comme les Les États-Unis. États-Unis. Donc, il faut quand même que le niveau d'évolution soit quand même en rapport avec les comportements, les mœurs. Donc, c'est important que des Noirs se soulèvent, cette minorité-là se soulève pour que on puisse mettre en place ou appliquer des lois, hein, des C'est ça. lois pour que ça puisse cesser parce que les États-Unis, c'est en quelque sorte un carrefour. Parce que Là, aux c'est vrai. États-Unis, il y a les Japonais, Ouais. les Chinois, Multiple, c'est pourquoi ils les appellent ça Noirs. multiple. Voilà, donc il faut que les Ouais, toutes minorités, les toutes les nationalités races sont soient, ici. voilà, hein, toutes les mœurs, ce soit quand même respectées. Je pense que c'est légitime. Ah, là, c'est bien. Bon, Et, combien de livres vous avez à votre actif? bon, C'est le c'est un premier. premier, voilà, c'est un premier livre publié. Le deuxième ne va pas tarder quand même. Ouais, Oui. bon, j'ai vu que vous avez vraiment une bonne plume là. J'ai été impressionné. Ok, là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, maintenant, parlons un peu de la COVID-19. Ok, Monsieur Diallo, comment vous vivez le déconfinement ici à New York?
Parce que vous êtes venu, ça ne fait pas 2 ans. Et puis, bon, vous avez vu, la Et... COVID est arrivée. Bon, ça, vous êtes... En période de confinement, j'ai utilisé ce temps-là Ouais, pour la écrire, lecture. lire et tout. Parce que c'est un écrivain, c'est celui-là qui est toujours à la chasse du temps. Parce qu'il Ouais. faut du temps pour lire, écrire Ça, c'est et vrai. tout. Donc, j'ai profité pendant Ouais, cette période de ouais. confinement. Et maintenant que sommes petit à petit déconfinés, Ouais. les activités un peu et également l'écriture. Donc, Ça. c'est quelque chose comme ça. D'accord. Oui. D'accord, là, je vois. Bon, je sais que vous suivez l'évolution de cette pandémie dans votre pays d'origine, le Togo. Que pensez-vous de la situation au Togo? Bon, quand on sait que hier j'ai consulté, ils ont 1277 cas confirmés, 810 guérisons et 27 décès. Bon, que pensez-vous de la situation? Parce qu'on a remarqué que il y a une évolution dans la contamination, quoi. Oui, le problème du Togo aussi, c'est une question de développement, des problèmes financiers et Ouais. tout. Donc, parce que cette pandémie nécessite les moyens. Donc, ça Ça, c'est vrai. nécessite les moyens. Mais je pense que ce qui arrange également nos pays, principalement le Togo, c'est que il y a c'est un produit. On parle Ouais. de la chloroquine, je sais Ouais. pas, également. Ouais, ces produits-là sont vraiment récurrents chez nous. Oui. Donc, ces produits sont récurrents chez nous. Donc, la population peut facilement s'en accaparer C'est ça. et guérir rapidement. Donc, Ah, OK. c'est en quelque sorte une chance pour ces Ouais, pourtant, pays-là. Oui. les Occidentaux ont critiqué l'utilisation de la chloroquine comme un remède à la COVID-19. Surtout, ils ont critiqué le docteur Raoul. Oui, Bon, mais oui. Oui, ça. pourtant, beaucoup d'États africains continuent par utiliser et ça Oui, marche pour eux. moi je pense que il ne faut pas trop aussi suivre les Occidentaux hein, parce qu'ils ont Ouais. leur intérêt, ils ont leur objectif À atteindre. particulier. Donc, Ouais. il faut qu'on s'en méfie. C'est Ça, c'est vrai. ça parce que nous n'avons pas aussi les moyens, même si nous avons les moyens que ces moyens-là servent Ouais, à autre chose. à et également aux pays occidentaux. Donc, il faut quand même qu'on se méfie. On ne peut utiliser que les moyens de bord. C'est Donc, ça vrai. Ça, c'est là, vrai. on ne peut rien. On ne peut rien. C'est C'est vrai. ça. Oui. D'accord. Bon, il y a d'autres parlent de notre système immunitaire. Notre système immunitaire, surtout pour les Africains, là, que ça a beaucoup contribué aussi à l'éradication de cette pandémie. Oui, De, c'est ouais. possible. Ça y C'est est, bon. possible parce que à voir les conditions dans lesquelles nous vivons, Ouais. les hôpitaux ne sont pas aussi équipés et Ouais. des gens meurent comme ça à la suite de simples maladies. Donc, en quelque sorte, notre organisme s'acclimate en quelque sorte à un certain nombre de situations. Donc, ça, c'est une chance pour nous. Parce que si on analyse bien, si on remarque les informations qui sont circulées, souvent, c'est les personnes âgées qui sont plus Ouais, atteintes ouais, par ouais, ouais. C'est eux qui sont les personnes âgées qui sont Voilà. vulnérables, Voilà. voyez. Voilà. Donc, chez nous, en Afrique, la plupart des Et la populations population, ouais, nous avons une population jeune. jeunes. Voilà. Donc, Ouais. c'est également une chance pour nous. Ouais. Donc, ça nous permet quand même d'affronter la situation
de façon plus naturelle que les autres pays. Oui. Je vois. Bon, Oui. depuis le 25 dernier, le gouvernement togolais a repris le blocage de certaines villes de l'intérieur du pays. Ils ont aussi instauré le couvre-feu, notamment à Sokodé, à Sotoubois, à Tchamba, et sans oublier le canton de Soudou dans la préfecture d'Assolé. Bon, est-ce que selon vous, c'est la bonne méthode pour combattre la COVID-19? Quand on sait que le virus circule dans la journée, on Oui, voit les oui. gens au marché, dans les bars, mais pourtant la nuit, on inquiète la population avec le couvre. Moi j'ai été surpris quand j'ai vu des images, les Togolais battus dans la rue la nuit. Je pense que il faut aussi situer ce problème dans le contexte. Il y a un contexte politique qui est en place. On C'est vient ça. tout juste de sortir des élections. Et Oui. oui, il y a les manifestations. Personne n'est surpris, le président Ouais. qui vient de prêter serment. Donc, Ah, c'est vrai. il y a en quelque sorte une colère qui perdure en quelque sorte à l'intérieur de ces politiques-là qui veulent continuer, pas punir La les gens. population. Voilà. Donc, je pense que c'est une sorte de punition, une C'est sorte ça. de vengeance, en fait, des autorités en place. Ouais. Parce Bon, que, quel conseil vous avez pour ceux qui refusent de respecter les gestes barrières, notamment ils refusent de porter les masques? Je pense que c'est risquant, c'est risquant, surtout quand on suit les informations des gens qui meurent et tout. L'exemple de l'Italie, par exemple, C'est ça. je pense que c'est risquant de ne pas porter les masques, même si Pour on vous parler dit. de l'Italie, ici même, nous Oui, avons plus de 104 000 morts. c'est les États-Unis maintenant qui constituent. Qui récolte plus de cas. Donc, Ok, là, je vois. Bon, ils ouais. sont en train de me Donc, faire signe qu'il nous reste moins d'une minute. donc. Bon, je veux que vous enseignez. Vous avez vu comment le temps file. Vraiment. D'accord, bon. Maintenant, quel est votre mot de fin, monsieur Gérard? J'invite les lecteurs, j'invite les lecteurs francophones et anglophones également à lire l'œuvre, parce que ceux qui apprennent par exemple le français ici, ça leur permet quand même Ouais. de revoir ou de se cultiver le vocabulaire, la grammaire et tout. Donc, Mmh. c'est des tests courts, hein, des tests très Ouais. simples, des tests qui ne sont pas aussi volumineux, qu'on peut lire en un laps de temps. Donc, l'œuvre. Bon, où est-ce qu'on peut trouver votre œuvre? Oui, on peut trouver ça en ligne sur Amazon, et également sur French Wink, et également on peut commander ça directement depuis Lomé, depuis OK. le Togo édition à Audi. Voilà. D'accord. Et puis, bon, vous pouvez laisser vos contacts pour que les gens Ok. puissent vous contacter directement s'ils ont besoin Oui. de votre livre. Mon téléphone, 929 575 8801. OK. Voilà. Donc, Et puis, votre email. Jadekomi, Jadekomi, @gmail.com. Ok, là c'est bien. Oui. Là c'est bien. Bon, Monsieur Dira, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'accord. Merci à nos téléspectateurs qui suivent nos émissions sur la chaîne 69 de BronzeNet et à ceux qui regardent nos émissions sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Merci également aux membres de l'équipe de BronzeNet.
qui nous ont aidés à enregistrer cette émission. Et que, Inch'Allah, dans 2 semaines, on se retrouve pour un autre numéro. Merci, bye bye.